Mercredi 4 avril 2012, c'est ma troisième étape sur cette voie d'Arles. Aujourd'hui, en route pour Grabel, un peu plus loin que Montpellier. Ici, à un gros propriétaire, sans doute, la maison d'un gros propriétaire, et toutes ses vignes. Ici. Eh bien, j'ai déjà marché un peu plus d'une heure et ce matin, j'ai traversé assez longuement la forêt de pins qui est au bout. Mercredi 4 avril, je suis à Grabel, un peu après Montpellier. Et demain, je serai à Saint-Guilhem-le-Désert. Ce soir, je suis ici, à la chambre d'hôte, à Grabel. La Soucarène. Aujourd'hui, jeudi 5 avril, je suis à la Soucarène, près à Grabel. Je viens de prendre mon petit déjeuner ici et j'ai été reçu par Martine et Jean-Marie, et j'ai demandé à Martine de me présenter un tout petit peu sa chambre d'hôte et me parler surtout de Grabel, qui est le but de cette étape d'aujourd'hui. Martine ? Oui, alors je suis allée chercher Aimé en voiture devant le monument aux morts, c'est un drôle d'endroit pour nous téléphoner. Et nous sommes passés rapidement pour faire tamponner sa feuille de route près de l'église, le presbytère. J'espère qu'il a apprécié le jardin du presbytère. Et ensuite, nous sommes rentrés à la maison. Mais je lui ai indiqué le vrai chemin de Saint-Jacques, avec la source de la vie, la résurgence, là, un petit lieu que j'ai apprécié, que j'ai apprécié. Oui. Oui, oui. Autrefois appelé, enfin, et encore aujourd'hui, du reste, appelé les fesses de Madame. Vous avez trouvé les fêtes de, pardon ? Les fesses de Madame. Ah non, je ne connaissais pas l'expression. Parce que justement, les deux rochers. Ah. Qui surplombent la source peuvent évoquer des fesses. Bon. Et puis, Grabel, un joli petit village qui, il y a une centaine d'années, comptait 600 habitants et aujourd'hui qui en compte plus de 6600. Voilà. Un petit mot sur le chevalier Guillaume. Ah, le chevalier Guillaume, oui, parce que Aimé va aller à Saint-Guillaume aujourd'hui. Il veut traverser un beau coin avec des vignes, traverser la garrigue aussi. Et il va retrouver donc le chevalier qui a combattu aux côtés de Charlemagne, vaincu les Sarrasins, et qui s'est retiré près d'Agnane et a fondé Saint-Guillaume le désert, au bord de l'Hérault. Le long des gorges de l'eau. Très bien, Martine. Très belle journée. Et merci.